Wesh les potos, c'est AWS 2002. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour encore un error. On est de retour pour Ben Error. On va commencer le jeu. Blue screen, comme d'habitude. Le bon vieux blue screen des errors. Ok. Un écran noir. We came to your computer to give a... On est arrivé dans votre PC pour vous donner un... Un quoi? Oh! Voilà, c'est lui que je parlais, Ben Drowned. Ben Drowned, c'est lui. N'éteins pas ton PC. Erreur de Ben. Ben a encore été noyé. Par contre, Drowned, c'est une erreur d'orthographe. C'est Drowned. 5 chances. Y a pas de curseur, c'est normal. Regardez. Je bouge la souris. Je clique, y a rien qui se passe. Ça, c'est un problème, par contre. Bref. On peut toujours faire Enter pour éteindre. I saw you turn it off. Don't turn off again. Il dit que Ben, il s'est noyé alors qu'il parle. Il a dit, j'ai vu que t'as éteint, ne refais pas s'il te plaît, je m'en balèque. You turned it off again. I did not ask you to turn it off. That's it. Three chances for you. Il a dit, tu l'as éteint encore une fois, je n'ai pas demandé de te le faire. D'accord? Trois chances pour toi. Trois chances, qu'est-ce qui va se passer, jumpscare? Are you kidding me? I said do not turn off your computer. If you turn it off again, then something bad will happen. Il a dit, tu dois me faire une blague là. Je t'ai dit, n'éteins pas ton PC, si tu le fais encore une fois, quelque chose de mauvais va se passer. Qu'est-ce qui va se passer, jumpscare? Parce que regardez, je n'ai que deux chances. Et là, si j'ai une chance, à mon avis, il va y avoir un jumpscare. Allons voir ce qui va se passer, on a encore une chance. Donc, j'imagine... Ah oh mon dieu! Si t'éteins cette punition, ton âme sera le mien. Je pense pas qu'un point exe peut voler les âmes de personne, hein. Je pense pas qu'il peut voler mon âme de toute façon. Bon bah on va en faire close et voir ce qui va se passer. Allez hop. Et attendez, qu'est-ce qui va se passer? Et là j'entends un rire là. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? No no, you killed me with your keyboard keys. No 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 no. J'ai spammé les touches du clavier, ça n'a rien fait. Mais j'ai cliqué, j'ai fait clic gauche avec la souris. Ça a tué Ben. À mon avis, ça c'est la fin secrète. Attendez, je vais voir sur YouTube. Bon, là, il éteint. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est la fin normale, je suppose. Ouais, avec Open Galaxy Punishment. C'est quoi cette voix monstrueuse là? Et qu'est-ce qui se passe si on fait rien? Ah, ça crache! Ah, d'accord, ça crache! Mais. Oh là là, heureusement que j'ai cliqué, hein. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah d'accord. On est de retour. Bon, attendez. C'est tout? C'est tout pour Ben Error? Y'a pas d'autre fin? Non. Donc, j'en ai encore un pour vous. Et voici le prochain jeu d'AliExcE, ou jeu d'horreur comme vous voulez. C'est Windows XP Exe. Windows XP install, click install to start. Bon bah, on va installer XP. By the way, wait, Windows XP has end, right? Also, why won't you install a better version? Il a dit, attends, Windows XP était terminé, n'est-ce pas? Et pourquoi vous n'installez pas la meilleure version? Parce que Windows XP, c'est mon système préféré. Bon, bah, on va faire OK. Windows is installing. L'installation XP, c'est pas aussi rapide. Hein. Ça m'a pris une fois trois quarts d'heure pour installer. Attendez, qu'est-ce qui va se passer? Jumpscare? Non. Welcome, bienvenue. Et attention, le bon bruit de l'enfance. Ah, ça me rappelle mon enfance, ça. Depuis 2008. Alors, on est sur le bureau, là. Il n'y a rien. Il n'y a même pas le beau fond d'écran. Oh, c'est dommage. Je peux pas cliquer sur les icônes, apparemment. Même pas faire un clic droit. Même pas cliquer sur démarrer. Donc, apparemment, on est obligé de cliquer sur folder. Je peux pas déplacer la fenêtre. Je peux la fermer. Mais attendez, regardez. Je peux pas cliquer sur, par exemple, poste de travail... Créer un nouveau dossier, tout ça, retour, rechercher, fichier, tout ça. C'est quoi ce Windows 6 Exe? À mon avis, c'est Windows version horreur. Welcome. J'imagine que là, il va y avoir un jumpscare ou quelque chose du genre. Oh ah! Ça fait mal aux oreilles, wesh! Wow! On est sur un Windows démonique, là. C'est tout rouge partout.
Ouh là là, Windows 666 avec le nouvel icône de Windows. Dad, qu'est-ce qui se passe? Non, rien, 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 rien. Alors, nous avons quoi? User exit, you're next et un point d'interrogation. Je peux faire quoi avec user.exe? Delete? Je peux m'effacer moi-même? Et c'est quoi ce your next? Non, non, je pense que c'est un jump scare. Bon, moi, on va faire delete, hein, voir ce qui arrive. Putain, il y avait du sang partout là, putain! Et en plus, il me donne un red screen. Ça a craché. Ouah, ah, un document est arrivé là, dead. Ouah! C'est quoi tout ça? Regardez-moi ça! 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001, 001. Il y a des 001 partout. Il y en a plein. Attendez, il y a combien de caractères là? Attendez, j'ai envie de savoir. Attention, nous allons voir, il y a combien de caractères avec tous ces 001. C'est parti, on colle. 152 000! Waouh! Waouh! Il y a 150 000! C'est énorme! Oh bah attendez. Il y avait d'autres trucs, je crois. Il y avait Your Next, il y avait le point d'interrogation sur le bureau de Windows 666. On va aller voir ça, attendez. Ok. Ah! Ça fait mal aux oreilles, ça, par contre. Oh là là. Bon bah, re-bienvenue en enfer. Alors, nous avons supprimé User Exe. You're next, you're next, you're next, you're next. What? C'est quoi ce you're next? Non. What the fuck? Il y avait la neige. Cher utilisateur, vous avez eu la bonne décision de courir ailleurs. Maintenant, il est temps pour vous de retourner sur votre Windows régulier. Merci pour être venu. Cliquez sur ce texte pour partir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien pour vous à voir. Bon, faites-le. Cliquez le texte. Bon, bah, on va le cliquer. Backing up your data. En train de restaurer vos données. Et j'imagine qu'après, ça va me ramener sur le bureau. À mon Windows. Ouais, ça m'a ramené à mon Windows. Alright. Encore une fois, de retour dans l'enfer. Nous avons supprimé User Exe. On a utilisé le Your Next. Elle avait dit qu'il n'y a rien à voir pour vous. Mais c'est un mensonge. Regardez, il y a aussi les points d'interrogation. C'est quoi ce point d'interrogation? Nous allons voir. 000. Ne regarde pas derrière toi. Je peux pas le fermer. Oh, qu'est-ce qui... Pourquoi ça disparaît? Il y a quelque chose? C'est quoi ça? Imagine, ne regarde pas derrière toi. Il va faire un jump scare. What? What? Il y a encore plus? Bonjour, bienvenue en enfer, prêt à mourir? What? Il m'a mis un texte encore, regardez là. C'est quoi ça? Prêt à mourir, je vais être prêt sur votre vrai Windows. Au revoir pour l'instant. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez de la commentaire, partagez la vidéo. On se retrouve plus tard pour d'autres jeux ou d'autres vidéos. Ciao tout le monde. C'était Goodbye.